Bon, on n'a pas filmé grand chose là, pendant les 2-3 jours. On est posé à côté de Niort à Praec exactement. Et bon, c'est un petit spot qui est pas trop mal, on est au calme. On a tout ce qu'il faut. Bon, ça y est, je viens de rentrer. On est au spot. Bon, il y a quelqu'un au niveau des services, donc je vais pas vous filmer ça. J'essaierai de filmer ça un petit peu plus tard quand il n'y aura personne. Bon, je profite, il n'y a plus personne sur l'aire de service. Bon, on va vite fait mettre un peu de poubelle aux emballages. Et puis je vous montre ça, comment est foutu l'air. Bon, ben là, le conteneur, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, ça reste propre, c'est cool. Et puis là, on a l'aire de service. Donc, on a tout à dispo, vidange. On a la flotte là, les poubelles, et dans le petit renfoncement, notre fils qui nous a fait rire, parce qu'il pensait que c'était un toilette et que les gens allaient aux toilettes dehors. Mais en fait, c'est pas un toilette, c'est juste pour vider la cassette des toilettes, et au moins ça a le mérite de toujours rester propre. Pas comme dans certains airs où tout est dégueulasse partout. Et puis en bas, il y a le stationnement, il faut se mettre à 8 camping-cars, facile. Même il y a un grand camping-car de au moins 8 mètres qui est arrivé là, et tout le monde a sa place. Qui commence? Du top. Ouais, ça y est, ça filme. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas bon. Allez, non. Suivant. Alorine. Alors? Bon. C'est bon? Et allez où? Non. Vas-y, goûte. Là, t'as pas goûté encore. Goûte, loulou. Oh, regarde, j'en ai quand même un goût. Léo, allez, goûte. Allez. Et ben, finalement. T'as pas à goûter encore. Allez, vas-y. C'est trop bon. Allez, mais goûte. Laurine, laisse-le tranquille, il va y arriver. Allez, vas-y. T'es un grand. Tu as du poisson? C'est bon poisson, t'aimes ça? Allez, vas-y, la bouche. Arrête tes grimaces, t'as pas goûté encore. Tout le monde goûte, allez. Non, t'as pas goûté, t'as pas mangé. Trop bon. Good? Oui. Tu veux celui-là, Lucas, du coup? Non. Non? Moi, je le veux bien. Ça goûte comme le maquereau. C'est bon? Allez, à mon tour. À Marie, si c'est pas bon, ça sera de ta faute. Si, c'est bon. Oui, ça goûte comme le maquereau. Ouais, c'est bon. Maquereau vin blanc. Ouais. Impeccable, Marie, tu peux nous en refaire. Bon, ben on est reparti de l'endroit où on était ce matin, on est sur la route direction de Bordeaux, et puis j'ai dû faire un détour parce qu'on a une commande qu'on a dû expédier là de la boutique, donc je vais vous remettre le lien pour que vous voyez la boutique qui a été faite, et puis avec sur le site internet, et puis là je m'en vais poster, mettre ça en mondial relais. Bon allez, plus tard. Voilà, salut tout le monde. Bon, alors je vous montre le spot où on est posé. On a roulé un peu hier, on est parti de Niort, enfin à côté de Niort. Et là, on est pas loin de Bordeaux, à Clairac. Donc, je vais vous montrer le spot parce qu'on a trouvé un truc qui était pas mal. Donc c'est un spot où il y a un petit étang et tout, c'est pas mal, je vais vous montrer après. On a l'eau et les legs gratuits, c'est pas souvent, mais... Mais c'est assez ironique. On a l'air qui est
C'est bien, ils mettent tout à disposition. Mais pas le droit de s'arrêter, sauf pour vidanger. Donc les lecs et la flotte, c'est en option. Dommage parce que tout est dispo. Donc, arrêt et stationnement interdit. Alors que l'aire de service, elle est au bout là-bas, avec l'eau et les lecs. Puis on en met plusieurs pour être sûr qu'on comprenne bien le message. Bon, sinon un petit spot avec un étang. Un peu frais ce matin, mais ça va. Abonnez-vous à notre chaîne, la chaîne en YouTube. Cliquant sur le lien juste en dessous.